Yo, salut tout le monde, c'est Lorenz. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 5 anecdotes étonnantes sur le super-héros Wolverine. J'ai décidé de vous présenter quelques anecdotes sur les héros cultes que nous connaissons tous, et cela afin de vous en apprendre plus sur nos héros préférés. Sans plus attendre, et cela avec le film Logan qui est sorti au début du mois de mars 2017, je vous propose les 5 premières anecdotes sur le griffu que vous pourrez à l'occasion, pourquoi pas, ressortir autour de vous. Allez, c'est parti! Wolverine est un personnage de fiction appartenant à l'univers de Marvel Comics. C'est un super-héros membre des X-Men et des New Avengers. Son vrai nom est James Solette, mais ayant oublié son passé, il se fait appeler Logan. Wolverine apparaît pour la première fois en 1974 dans 2 épisodes de l'incroyable Hulk, les numéros 180 et 181. Ce scénarisé par Len Wein et dessiné par Herb Trimp. A l'origine, le super-héros est canadien, il est d'ailleurs recueilli par James et Iver Hudson pour former la Division Alpha, un groupe de super-héros d'origine canadienne. Alors qu'il est pressenti pour devenir leader du groupe, il choisit de le quitter pour des raisons personnelles, et cela pour rejoindre les X-Men recrutés par le professeur Xavier. Wolverine a réussi l'exploit d'être aussi bien populaire sur grand écran que dans sa version papier. Incarné au cinéma par l'acteur australien Hugh Jackman dans 9 longs métrages, ce dernier a décidé d'arrêter son interprétation du personnage dans le 3e opus solo du Griffu sorti en mars 2017. Le dessinateur Dave Cockrum et le scénariste Chris Claremont développaient le personnage à ses débuts dans les comics. C'est à eux que l'on doit notamment une certaine modification sur le griffu canadien. En effet, à l'époque, Claremont décide très vite que les fameuses griffes ne sortent pas des gants du personnage, mais bien de ses mains. Le scénariste avait en effet besoin de quelque chose qui fasse de Wolverine un mutant particulier. Pas un mutant avec une simple paire de gants munis de griffes, quoi. Du coup, avec Cockrum, ils décidèrent que les griffes faisaient partie du corps du personnage. Bref, pour Cockrum et Claremont, cette particularité le rendit unique et spécial, et pour Marvel, cette particularité le rendit plus vendeur. À une époque où Wolverine est relégué au second plan, et cela sous le choix de Claremont dans les histoires où il apparaît, Cockrum, alors dessinateur sur la série des X-Men, décide pour des raisons personnelles d'abandonner le titre, laissant ainsi la place au jeune dessinateur John Byrne. Toujours sur le scénario de la série, Claremont annonce à Byrne qu'il compte se débarrasser de Wolverine, parce qu'il ne sait plus quoi en faire. Byrne, canadien d'adoption, n'est pas d'accord, il n'a aucunement l'envie de retirer le seul personnage canadien de la saga. Il s'accapare alors le personnage et lui consacre une grande part de son énergie. Claremont décide alors de faire confiance à son nouveau collègue, et cela tout en continuant à échanger avec son ancien collègue Cockrum. C'est d'ailleurs sous le règne de Byrne, qui affiche de plus en plus de désirs scénaristiques, que le squelette d'Adamantium et autres nouveautés seront vraiment mises en avant. Pour lui, Wolverine, à qui il a donné le prénom de Logan, et cela d'après le nom de la plus haute montagne du Canada, le mont Logan dans le Yukon est incontestablement le personnage le plus incontrôlable des X-Men. Bien après ces changements importants pour le griffu, on a aussi pu découvrir, et cela dans la série Wolverine Origins, que Wolverine possède un fils. En effet, lors de son passage au Japon avant d'être intégré au programme Arme X, Logan a eu une relation avec une jeune paysanne nommée Itsu. Quand je parle de relation, je parle évidemment de relation sexuelle. En effet, en 1945, elle a appris qu'elle était enceinte de Logan, mais à quelques jours de l'accouchement, elle fut assassinée par le Winter Soldier. Sans que Logan soit au courant, le bébé a survécu, et cela arraché du ventre de sa mère par un inconnu. Bref, elle fut d'ailleurs placée chez un jeune couple qui le prénomma Akihiro. La première fois que Logan vit Daken, ce dernier tenta de le tuer, car il était contrôlé par Romulus qui cherchait par tous les moyens à tuer Wolverine. Le griffu, voulant se réconcilier avec son fils, a d'ailleurs demandé l'aide du professeur Xavier. Daken et Wolverine firent alors la paix sur le meurtre d'Itsu et décidèrent de se venger de Romulus. Une petite vengeance bien sympa entre père et fils. Des rumeurs avaient circulé sur le fait que Marvel avait prévu de tuer Wolverine, mais les fans comme moi le savent évidemment, Wolverine est difficile à tuer, en particulier grâce à son facteur d'auto-guérison. J'étais d'ailleurs étonné d'apprendre que la rédaction de Marvel avait décidé d'enlever son facteur de guérison à Wolverine, ce qui nous conduit à la mini-série Death of Wolverine, une mini-série que j'ai lue et que je vous recommande absolument. Dans
Dans cette série, on peut y voir un Wolverine vulnérable. L'histoire de ce comics est simple, il a décidé de sauver des dizaines de sujets test dans une installation d'armes X, et cela en brisant un grand récipient d'adamantium sous sa forme liquide. Quelle idée! Bah ouais, l'adamantium le couvrant de ce fait de la tête aux pieds a commencé à refroidir et il a durci, laissant Wolverine incapable de bouger et même de respirer, l'étouffant ainsi. Je ne voulais pas vous spoiler, mais c'est de cette façon que le personnage est mort. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'en suis désolé. Mais si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez en voir plus. Et à présent, je vous laisse. Je me mets au travail pour la prochaine fois et je vous dis à samedi prochain. Allez, coucou tout le monde !